Celui qui aime le sommeil aime la pauvreté. Merci et merci à vous, chers téléspectateurs, et bonjour à vous. Bonjour, Pasteur King. Bonjour, Frère Jean. Vous êtes encore une seconde fois notre invité. Vous nous avez enseigné les principes, ou plutôt les méfaits de la pauvreté. Mais alors, comment sortir de la pauvreté? C'est notre thème de ce jour. Pasteur, vous enseignez les lois de la prospérité dans un pays comme le Congo, où les caisses de l'État sont totalement vides. Est-ce que vous croyez que ce scénario est possible? Bon, merci pour ces genres de questions, parce que voyez-vous que là, on touche des éléments qui touchent la nation, notre environnement. Raison de plus qu'il faut en parler, parce que on ne peut pas continuer à aller, à un moment donné, quand ceux-là qui gèrent l'appareil étatique arrivent à un niveau où ils n'ont plus de solution, vous n'êtes pas sans connaître qu'à un moment donné, ils disent que, mais priez Dieu, parce qu'à Babylone, lorsqu'il y a eu l'écriture qui annonçait un jugement sur la muraille, ben, on a cherché. Bien sûr, le peuple de l'Alliance, Daniel et ses compagnons, pour venir apporter, bien sûr, la solution. Alors, si la question sur comment sortir de la prospérité, de la pauvreté, est liée aussi à notre environnement, raison de plus d'en parler, parce que l'Évangile, la parole de Dieu, est un facteur d'assainissement des mœurs, d'assainissement des nations, d'assainissement des comportements. Parce que la parole de Dieu ne sert pas simplement à faire de nous des chrétiens très moraux, des chrétiens très honnêtes, des chrétiens très sanctifiés. Alors, à quel moment, à quoi servira notre honnêteté, notre rigueur? Est-ce que c'est pour venir démontrer cela chaque dimanche à l'église, que je suis très saint, je suis très honnête, je suis très, très, très fidèle, voyez-vous? Mais le Seigneur, dans ses enseignements, il a dit que vous, c'est-à-dire nous, vous, chers téléspectateurs, vous les journalistes, vous êtes le sel de la terre. Donc, pourquoi il dit que vous êtes le sel de la terre? C'est parce que les pouvoirs du sel sont tellement énormes. Il ne s'arrête pas par « vous êtes le sel de la terre », mais il dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Alors si nous sommes lumière, c'est qu'assurément le monde est contrôlé par les ténèbres. Et les ténèbres, lorsque les ténèbres règnent, ce n'est pas étonnant que nous nous retrouvions avec la mauvaise gestion, avec des comptables sans cœur qui peuvent s'adonner à des détournements, okay, des deniers publics. Voyez-vous que et l'habitude de ce genre de gouvernance, ça mène quoi? Ça mène effectivement de la pollution, ça mène la sécheresse, ça mène le sous-développement, la misère et la précarité telle que on le vit. Maintenant, la solution, c'est que vous êtes, le Seigneur parlait à ses disciples, comme nous sommes disciples, que nous sommes le sel. Mais à quoi bon sert le sel? Cela nous ramène dans l'Ancien Testament que Jéricho était la première ville que les Israélites avaient conquis. Mais à cause de la résistance, quand Jéricho fut conquis, Josué, qui était prophète, avait prononcé des sentences sur Jéricho, disant que « maudit soit celui qui rebâtira Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il posera les portiques au prix de son dernier-né. » Et durant tout le temps,
Jéricho est resté une ville non rebâtie, mais qui était habitée. Donc, elle n'a jamais été une ville fortifiée. Mais la malédiction, la sentence de Josué était allée plus profond jusqu'à même dans les eaux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que du temps de Hiel de Bethel, quand il vint pour rebâtir les murs de Jéricho, son premier-né mourut. Et quand il posa les portiques, son dernier-né aussi mourut. Malgré que la sentence fut accomplie, mais la malédiction qui était allée sur la terre et qui touchait les eaux, elle demeurait, elle continuait à faire ses effets. Mais qui peut changer l'environnement? Qui peut ôter les malédictions? Parce que quand une sentence est prononcée, c'est qu'il y a un ange méchant qui est libéré, qui vient dominer les cités. C'est ça la spiritualité d'abord. D'où j'ai dit dans les émissions précédentes, si nous sommes sacrificateurs et que nous ne sommes pas des annonciateurs des saisons de bénédiction, des saisons printanières, pour amener la moisson et la vendange, assurément nous ne sommes pas les envoyés de Yahvé, parce que la formule je profite de fouiller mon verset. Je suis au niveau de la formule, hein, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que la formule de bénédiction soit prononcée par les sacrificateurs fils d'Aaron. Donc, la malédiction de Jéricho se résumait par des eaux amères et par l'infertilité de la terre. Voilà pourquoi quand Élisée vint à Jéricho, on lui dit « Maître, le séjour est bon, mais les eaux sont souillées et la terre est stérile ou avorte. » Qu'a fait Élisée, souvenez-vous que Élisée avait la double portion des esprits des prophètes. Donc, il était Josué en double. Donc, il était revêtu d'une onction supérieure capable de pouvoir transformer ou arrêter la progression de la sentence ou de la malédiction. La Bible dit qu'il a ordonné qu'on lui amena un plat neuf rempli de sel et il est allé à la source des eaux. Et il a assaini les eaux. Et quand les eaux furent assainies depuis la source, alors l'ensemble des eaux ont été assainies et la stérilité a été arrêtée dans le pays. Voilà comment Jéricho a retrouvé sa lettre de noblesse. Voilà comment Jéricho est redevenu une ville prospère avec une terre prospère, avec des eaux qui sont effectivement prospères. C'est pour ainsi dire que si les eaux, dont Apocalypse 17, sont symbolisées par des foules, des peuples, les langues et les nations, alors ces nations, s'il faut dire le Congo, et nous sommes des individus vivants dans le Congo, et s'il y a sécheresse, il y a corruption, il y a misère, la solution viendra par le sel de la terre. Et la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Raison de plus, si la liturgie, c'est-à-dire l'enseignement, était bonne à l'Église, l'Église aurait fourni dans ce pays des cadres avec une rigueur, des inspecteurs d'impôts avec une rigueur, aurait fourni des médecins hyper compétents. Okay? Donc, vous voyez que l'Église n'a produit que des chrétiens maranatha. Et l'Église n'est pas où il s'est dissocié effectivement avec la gestion ou la gouvernance. Parce que ce que vous appelez la politique aujourd'hui, dans la Bible, c'est appelé la gouvernance, la présidence. Et parmi les dons que Paul fait allusion dans l'Épître aux Romains, il y a
le don de la gouvernance, le don de la présidence. Donc, voyez-vous que avant qu'on ait parlé des présidents, ce don-là existait déjà dans l'Église. Donc, l'Église a manqué sa mission. L'Église devait produire des élites. Voyez-vous, l'Église devait produire des élites parce que, par exemple, pour ne pas exagérer, voyez, nous avons un éminent homme de Dieu dans ce pays qui est une bénédiction en la personne du pasteur Yves Castano, qui est bien sûr directeur de Congo Télécom. Vous avez vu en peu de temps les mutations, les changements que Congo Télécom a subi. Aujourd'hui, je te surpris quand tu arrives, dès que tu payes, voilà, le réseau est rétabli. Et de l'autre côté, il y a Speed. Bon, il est venu avec le projet de RCPU. Voyez-vous que on a besoin, voilà ce que l'Église est censée produire. Sous-entendant, on prend l'échelle, un grain produit 100. Si l'Église avait produit ne fût-ce que 100 cadres de ce niveau de la nation, je pense que on devait quand même sentir des améliorations, des changements quelque part. Voyez-vous que quand vous partez avec des factures au niveau du Congo Télécom, voyez-vous que la direction, elle est différente. Oui, pasteur, vous prêchez la sortie de la sécheresse, c'est l'un de vos enseignements. Est-ce que ce concept peut être justifié dans des pays développés, hein, ou dans la mesure où les consciences sont réveillées, mais dans ce pays où actuellement les conditions de vie sont difficiles, comment vous imaginez un tel scénario? Mais il y a toujours un début à tout. Et ce que nous faisons, c'est ce début que vous ne voulez pas, bien sûr, accepter. On dit que Rome n'a pas été construite en un jour. Parce que si déjà l'Église, les masses, parce que le Congolais, 8 sur 10, même 9 sur 10, sont dimanche à l'Église. Donc tu ne peux pas dissocier un Congolais de l'Église. Mais quelle est la liturgie, quel est l'enseignement, quel est le message qu'il va écouter à l'Église? Si c'est un message qui le désolarise, comment, le dissocie, qui le déconnecte avec la réalité de la transformation de la cité, si ce n'est pas un message qui l'enseigne qu'il est, lui, le sel de la terre et la lumière du monde, si ce n'est pas un message qui le place comme étant la ville qui est placée au sommet de la colline, mais c'est décevant. Ça veut dire que l'Église devient un danger même dans la société, pour la société. L'Église devient un cercle d'abêtisation parce que la transformation doit venir à travers de l'Église. Oui, vous dites aussi que la sécheresse des chrétiens s'explique par le fait qu'ils ne sont pas formés. De quelle formation vous parlez? Est-ce que c'est les pasteurs que vous êtes? Vous deviez mettre les gens dans des écoles de formation, mais avec quel argent? Non, ce n'est pas d'abord la formation. Ce que je fais là, c'est un savoir. C'est une guerre de transformation de mentalité. Mais de quelle formation que vous parlez? Quand vous parlez de formation, moi, je vous ai cité. La formation commence par l'information. Donc déjà, au niveau, nous sommes restés pendant longtemps sur le mystère de la croix ou les prérogatives de la croix. Si l'Église que nous sommes, déjà nous ne comprenons pas que l'agneau, la mort du sacrifice suprême à la croix, c'est pour nous introduire dans l'abondance et dans la richesse. Ça veut dire qu'aller à l'Église, c'est pour aller être programmé à revêtir le manteau de la pauvreté. En ce moment, l'Église devient un danger. Il faut fermer l'Église parce que c'est très dangereux. Si le pays est rempli de chrétiens et que c'est ce message-là que les chrétiens reçoivent à être simplement les citoyens célestes et qui ne sont pas congolais, et en tant que fils de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, ils n'ont pas le pouvoir ou être des facteurs de transformation, alors l'Église ne sert absolument à rien, c'est même un danger, parce qu'elle ne sert absolument à rien, c'est même un instrument d'abêtisation de masse pour enseigner le paradigme de la pauvreté. Alors, c'est très dangereux. Il faut arrêter cette Église, ces églises, il faut les fermer, elle ne sert absolument à rien, je suis désolé. Et si les pasteurs sont complices en train de divulguer un tel message, c'est que ce n'est pas des envoyés de Dieu, ce n'est pas du tout possible. Parce que l'Écriture est claire que l'onction du Machia est venue sur lui, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres.
Pourquoi? Parce qu'Israël se retrouvait dans les mêmes conditions que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ils étaient assujettis par les Romains. Ils n'avaient pas leur monnaie. Ils n'avaient pas leur indépendance. Ils payaient un tribut, comme l'Afrique, comme le Congo, est aujourd'hui sous l'apanage, bien sûr, du CFA, ou sous encore le néocolonialisme de la France. Donc, c'est le même paradigme. Mais sur ce schéma, vous faites appel aux leaders religieux d'investir dans la connaissance. Est-ce que vous ne demandez pas trop au pasteur? Bon, le problème, c'est ce que... Qu'est-ce que c'est un pasteur? Je prends Nombre chapitre 6. Oui, pasteur, parce qu'il y en a qui n'ont pas étudié. Hein. Vous voulez demander à investir dans la connaissance de Salomon. Salomon avait différents... La sacrificature n'a rien à voir avec les diplômes. Frère Branham, qui a prêché le message, à quel niveau? CM2. Mais est-ce qu'avec le développement, il s'est auto-formé? C'est un autodidacte. Il a fréquenté des personnes instruites qui l'ont documenté. Il y a l'auto-formation. C'est dans les pays francophones où les diplômes sont en quelque sorte qui définit l'avenir d'un individu. Non, il faut s'adapter, il faut évoluer. Je veux lire les prérogatives des sacrificateurs dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans Nombre chapitre 6, le verset 22, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants, parle à Aaron et à ses fils, disant, « Vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant, « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever ta lumière sur ta face, sur sa face sur toi, et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. » Ça s'appelle la formule de bénédiction. Donc, c'est le sacrificateur qui prononçait la formule et le Dieu d'Israël les bénissait. Donc, si les pasteurs sont sacrificateurs dans le Nouveau Testament, ils ont mandat de bénir. Et les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils connaissaient les saisons réservées à la moisson, au sémat. Ils enseignaient les lois de la prospérité, raison pour laquelle ils recevaient les dîmes et les prémices. Abraham, on l'a enseigné, on a prié pour lui, et il a, en contrepartie, il a payé l'offrande, il a payé la dîme. Donc les dîmes, les offrandes, les prémices, sont en contrepartie de l'orientation et de la bénédiction que les sacrificateurs prononcent. Donc, en quelque sorte, quand quelqu'un foule les pieds dans une église, il est épargné. En fait, il devait être épargné parce que l'église devait être, en quelque sorte, une ville de refuge contre l'ignorance. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, l'enfant dans le rabbinat, l'enfant apprend à lire, c'est dans la synagogue. Il est préparé, voilà pourquoi on parle de séminaire, qui est la prise de cette jeunesse, qui est sont encadrés, cette jeunesse qui est encadrée dans les principes de base pour faire des leaders de demain. Oui, mais concrètement, quelles sont les stratégies pour sortir les chrétiens du gouffre infernal de la pauvreté? Mais parce que la pauvreté, ce n'est pas d'abord le manque de finances. La pauvreté, c'est un problème mental. Donc déjà, les guerres qu'on a ici, on ne distribue pas l'argent. On est en train de faire une guerre de mentalité. Ça s'appelle des paradigmes. Okay? Donc l'Église a fait une mauvaise programmation des masses. C'est même une mort. L'Église, les pasteurs sont en quelque sorte des hypnotiseurs professionnels ou peut-être amateurs. Mais non, ils sont même professionnels parce que rendez-vous compte qu'une personne qui peut gérer 2000 comme à Kinshasa, 3000, 5000, 10 000, même 20 000 personnes et que ces 20 000 personnes d'une seule communauté ont reçu des programmations
répété pendant plus de 20 ans que la richesse, ça ne leur concerne pas. Eux, ils ont des trésors au ciel. Donc, voyez-vous qu'une seule personne, de par son blocus, c'est par son ignorance, ok, il a pu bloquer, hypnotiser 20 000 personnes. Maintenant, ils sont combien avec des masques qu'ils les gèrent? Voilà pourquoi l'Église devient des mouroirs, des centres d'aliénation. Donc, je dis qu'il y a d'abord le problème du paradigme de la liturgie. Donc, on est en train de débattre. Les guerres qu'on a là, c'est d'abord le problème de la mentalité, des sémences, la programmation. Donc, les gens ont été programmés de façon répétée, ok? Ils ont été conditionnés à trouver que l'état de manque, l'état de la misère, l'état de la pauvreté, la précarité est devenu normal. Oui, c'est dans cette précarité que chacun de ces églises vivent, les individus ou les brebis. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité dans une difficulté? Mais il n'y a aucune gloire dans la pauvreté, chers amis, parce que l'argent, c'est un outil. C'est un outil. Après Dieu, sur terre, c'est l'argent. C'est-à-dire, quand tu finis de prier le matin avec tes enfants, sache quand l'enfant pleure là, papa, j'ai le thé, même l'eau. Ça veut dire, vous commencez déjà à parler du caput, du blé. Sans cet instrument-là, la vie n'est pas possible. Vous serez des personnes frustrées. Donc, pour aimer cet état, il faudrait que vous soyez en hypnose, en pleine hypnose continue. Ou soit, comme a dit les marxistes ou Karl Marx, que la religion est l'opium du peuple. Il faut bien qu'on explique ces concepts. Lorsqu'on dit l'opium, ce sont des drogues, les substances hallucinogènes. C'est-à-dire, les gens prennent des drogues et ils vivent dans des illusions. Dans des illusions. Et c'est ce que les Français, les Anglais ont fait pour manipuler les Chinois. Ils ont fait la guerre de l'opium. Et les Chinois étaient là, ils passaient leur temps, au lieu d'être dans leur méditation et tout ça, ils étaient dans l'opium. Et l'opium les faisait rêver. Donc quand quelqu'un est sous hypnose, sous opium, il peut rêver, il a une voiture, il est dans un jet privé et tout ça. Vous dites que c'est la condition de l'Église aujourd'hui? Mais cette liturgie-là, c'est de l'opium. Je persiste, c'est une hypnose. Les croyants dans les églises, ils subissent des séances d'hypnose chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Parce que de façon répétée, parce qu'un paradigme se crée, une programmation se fait de façon répétée. Les mêmes mots, on vous les répète, même si c'est un mensonge. Ce mensonge-là, au fil des années, deviendra comme normal, comme étant une vérité. C'est ce que Hitler avait fait. Comment il a soumis tout un peuple intelligent, conscient, brillant, sous hypnose. C'est là où on parlait des opportunités, des relations. Mais comment expliquer, comment trouver des relations, des opportunités dans des pays comme le nôtre où les choses sont verrouillées? Non, mais ça, c'est un paradoxe. Non, ça, c'est le problème des lois. Ça, c'est la compréhension, la maîtrise de certaines lois. De certaines lois en rapport avec l'abondance, la richesse et la prospérité. Mais tant que le paradigme n'est pas changé, c'est-à-dire l'information qui est à l'intérieur, s'il faut le dire, si pour les informaticiens, c'est-à-dire le logiciel qui contrôle l'individu n'est pas désinstallé pour replacer un nouveau logiciel, la machine va continuer à ramer. Et pour aider les gens, je crois que je vais prendre une citation ici du docteur Joseph Murphy, qui est très très important dans libérer le pouvoir de votre subconscient. Donc, pour comprendre de quoi je suis en train de parler lorsque je parle du paradigme, du changement
de paradigme. Parce que l'homme, quand il est né, l'homme est contrôlé, il est programmé depuis sa naissance. Quand un enfant qui est né au milieu d'une famille où l'argent n'est pas un problème, quand il grandira, l'argent va toujours le poursuivre. Raison pour laquelle les enfants des riches finiront par dominer les enfants des pauvres. Et c'est comme ça, c'est un cycle. Or, le problème, c'est que comme le mindset, c'est-à-dire la pensée, n'est pas renouvelée, c'est difficile parce qu'il y a une pensée. Voilà, la pauvreté, c'est d'abord une mentalité. Et tant que cette mentalité n'est pas désinstallée, c'est difficile. Vous aurez quelle opportunité? Donc, pour vous, c'est le premier combat, désinstaller. Le premier combat, c'est d'abord un reconditionnement. Il faut désinstaller le logiciel qui a été installé au fil des années. Et ce logiciel-là, parfois, a été installé depuis notre tendre enfance. Il est d'abord génétique. Donc, si tu es né d'une famille pauvre, il y a probabilité que tu reproduises les mêmes schémas de pensée de ta femme. Si tu ne trouves pas sur ton parcours, soit un mentor, un enseignant comme le Dr King, tu vas reproduire le même schéma, ne t'en fais pas. Et pour vous, c'est ce que l'Église devrait faire. Mais voilà, la formule de bénédiction, elle est là. Parce que le sacrificateur, c'est celui qui bénit. Et l'ancien qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, tout pasteur devait prendre cette question-là au sérieux, bien sûr. Donc, depuis les gènes, nous sommes une accumulation des gènes. Et nous inscrivons sur une lignée. Et ça nous poursuit. Donc, tu es ta famille. Tu es dans un arbre généalogique. Tu ne peux rien faire. Alors, quand tu es né, si ton père avait une calvitie, tu es comme ton père, tu as des parties de ton père, tu as des parties de ta mère. C'est biologique, c'est physiologique. Et tu ne peux pas changer cela. Bon, aujourd'hui, avec, comment vous appelez ça, la chirurgie esthétique, tu peux modifier cela. Ok, c'est bon. Maintenant, il y a une autre partie. Il y a la partie sociale, c'est-à-dire le milieu dans lequel tu vis. L'enfant est programmé entre 0 à 6 ans. C'est là où la programmation, le conditionnement de l'enfant se fait. Donc, l'enfant, quand il est né, il a le pouvoir de l'exaucement à l'infini. L'enfant, quand il vient, il n'a qu'à crier et la maman lui donne. Donc, il sait que tout ce dont il a besoin, il peut obtenir cela. Il ne connaît pas les limites. Mais c'est à un âge donné, lorsqu'il commence à découvrir, alors il est devant les lois des contraintes, les lois des limites. Que je veux ceci, non, tu ne peux pas avoir cela. Voilà, on commence à l'inculquer, on commence à le programmer que tu es sur terre, tu ne peux pas tout avoir. Ça, c'est pour les riches, ton père n'est pas riche. Donc, voyez-vous que ce sont des semences. Donc, c'est un séminaire. Vous comprenez? Donc, c'est une programmation, c'est un conditionnement que l'enfant reçoit. Et lorsqu'il va à l'école, l'école va enchaîner une autre éducation qu'il reçoit à l'école. Et de l'école, il y a son environnement. Donc, quelqu'un est comme cela qui l'environne. Donc, tel que tu es là, tu verras que tu es comme le nombre des numéros que tu as dans ton téléphone. Parce que tu es identique à ton environnement. Mais après l'environnement, les amitiés, vient l'église. Quand tu rentres dans une église où il y a un pasteur qui n'est pas outillé, qui ne comprend pas le danger, les méfaits de la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté qui peut amener l'église à enlever le Saint-Esprit d'un frère. Parce que simplement dans nos pays où il y a la sécheresse, la difficulté, et le frère veut se marier, mais il ne peut pas se marier, il aime une sœur, les fréquentations, les fiançailles qui mettent des années après des années, voilà, il tombe le Saint-Esprit qu'avait le frère. Vous allez enlever ce Saint-Esprit-là. Pourquoi? Mais vous ne régrez pas le facteur. Parce que si on avait ensemencé le grain ou la graine de la prospérité, des avoirs, ce problème-là n'allait pas être mentionné. Oui, dans vos enseignements sur comment sortir de la sécheresse, vous dites qu'il y a des hommes pourris qui sont source de bénédiction, de richesse. Qu'est-ce que vous appelez pourris? Mais c'est Job qui dit que sa parole était attendue comme la pluie. Donc, les pluies, ce sont des paroles qui orientent ce que je suis en train de faire là. Je suis un homme pluie, tu ne peux pas rester en contact avec moi et sortir avec les mêmes pensées d'autrefois.
Donc, une fois que tu rentres en contact avec un homme pourri comme Job, ta mentalité change. Ce sont des instruments de transformation. Ce sont des mentors, ce sont des maîtres, hein, comme disait le docteur Lee, les maestros, des rabbins qui ont la capacité de vous reprogrammer, en fait, de vous reconditionner. Okay? Parce que tout se passe au niveau de la mentalité. Voilà quand Paul, dans Romains 12, il dit que nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Et l'homme est tel sont les pensées qui sont dans son cœur. Donc, tu es le reflet de ton ciel, parce que ton ciel, c'est ce qui est au-dedans de toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Donc, ce qui est au ciel, c'est ce qui se reflète sur la terre. Donc, la pauvreté qui est notoire dans les milieux chrétiens est révélateur des sémences, des programmations et des informations qu'ils ont accumulées. Donc, le problème n'est pas de distribuer de l'argent. Le problème est de changer, formater pour réinstaller. Les disques. Pasteur, nous sommes dans des églises où c'est difficile. Est-ce qu'il y a un lieu propice où doit fleurir ou peut fleurir une bénédiction d'un chrétien? Parce que vous avez dit que tantôt il faut déménager. Oui, mais le déménagement, elle peut être physique tout comme mental. Parce que la reprogrammation, c'est un déménagement, ok? C'est une décision de ne plus vivre dans la vieille civilisation de la misère dans laquelle nous étions. Donc je déménage, je change de cap, ok? Je quitte ma zone de confort, je refuse d'être dans ce pays, quoique c'est un pays que Dieu a promis, mais rien ne marche, je vais là où ma gerbe va être debout. Et c'est ça le ministère, bien sûr, de Joseph. Donc, il peut y avoir... voyez-vous qu'il n'y a pas un canal, parce que chacun a une destinée, chacun a une vocation, chacun a son appel. Il y a d'autres, ils peuvent quitter le Congo, ils étaient aux États-Unis, au Canada, même d'autres vont au Gabon, ils prospèrent. D'autres, ils peuvent quitter même la ville pour aller au village, faire des champs, ils prospèrent. Cela dépend de l'orientation. Mais tu peux être dans la même ville, tu peux être dans le même environnement dans lequel il y a des humeurs, des atmosphères négatives, parce que la pauvreté va de pair avec la vibration et les énergies. Ce sont des énergies. Donc, il faut changer de fréquence et changer d'énergie, ok? Et s'élever dans une fréquence plus haute, c'est une forme de déménagement. Voyez-vous que quand vous déménagez, ce n'est pas aussitôt que vous avez de l'argent, mais vous avez commencé à cultiver dans votre mindset, dans votre mentalité, que vous êtes un vainqueur, que vous êtes un lion, que vous êtes un prince, que vous avez pour Dieu l'Éternel qui est ton berger et qui tu ne manqueras de rien. Donc de la même manière que les répétitions sur le manteau ou les habitudes avec la pauvreté, c'est venu de façon progressive, c'est parce que cela nous a été dit. Et voilà pourquoi nous avons vu des manifestations de cela. Donc si nous changeons simplement cette information pour montrer que la croix nous donne le salut, nous donne la guérison et nous donne aussi l'accès à la richesse, vous verrez que de façon répétée, il y aura manifestation des richesses. Parce que nous attribuons souvent le parler en langue au pentecôtistes. Et plus que nous stigmatisons cela, voilà pourquoi vous verrez que chez nous, il y a moins de manifestations des parler en langue. Parce que nous n'insistons pas. Il n'y a pas trop de manifestations des dons, des visions et tout ça. Voyez-vous, comme nous stigmatisons ça, ça ne peut pas se manifester. Ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Ça y est là, mais nous n'activons pas ça. Parce que l'activation, c'est par répétition. Comment les évangélistes font pour produire des miracles? Ce n'est pas parce qu'ils sont hyper puissants, c'est parce qu'ils ont fait de ça leur cheval de bataille. Ils répètent encore et encore, ils font des témoignages et tout ça. Et voyez-vous que cette forme de liturgie, c'est ce côté de l'évangélisation, de l'évangile, qui insiste sur les bénéfices de la croix en tant que Dieu qui guérit, ça élève la foi parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu es dans une église où on n'insiste pas sur la guérison, et si tu es malade, tu ne seras pas guéri. Il faut changer cette église-là. Change cette église, quitte cette église, va dans une église où on insiste sur la guérison. Mais là, pasteur, vous provoquez tollé. Non, je suis en train de montrer la thérapie.
Je suis en train de montrer. Frère Branham me dit, si votre église ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, sortez de là. Si votre pasteur vous prêche qu'il n'est pas le même et que les temps des miracles sont passés, sortez de là, parce que tu peux être guéri dans une église qui ne croit pas en la guérison divine. Tu ne seras pas riche dans une église qui stigmatise la richesse. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a la loi de l'attraction. Tu ne peux pas attirer des choses dont tu es. Donc, si tu veux trouver de la richesse, il faut écouter un prédicateur qui a la pluie de la richesse, qui en parle. Et ça va éveiller ce potentiel qui est en toi, parce que ça se trouve en toi, puisque Dieu, lorsqu'il a dit à Adam, tu étais en Adam, il dit qu'il t'a béni, il a béni Adam. Ça veut dire, il t'a béni, il a dit, sois, fructifie-toi, multiplie, remplis la terre, assujettis, domine, vous êtes roi. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Si je vous répète ça pendant une année, tu vas développer une mentalité de conquérant, tu vas développer une mentalité de lion. Et c'est la seule façon de changer la mentalité d'être une proie pour passer à la mentalité d'un prédateur, d'un félin. Quand je commence, tu dois dominer, tu dois assujettir, tu dois te multiplier, tout ça encore. Tu finiras, c'est ça que ça s'appelle la reprogrammation ou le reconditionnement. Ça se passe par des mots, ok? Parce que la pauvreté est venue par des mots. Et ces mots-là ont tissé des racines dans nos vies. Moi, j'ai vu à Kinshasa, que je suis arrivé, j'ai croisé des frères qui étaient là, qui attendaient, mais docteur, il faut venir faire des séminaires ici, parce que vraiment nous voulons, parce que les frères vont en Chine et tout ça. Donc, ils ont besoin de se développer. Il y a un autre qui était là en train de réparer le téléphone, il dit, docteur, je peux t'arrêter, oui. Il dit, je ne crois pas en ton évangile. Je dis, mais tu es libre. Parce que c'est un choix. La pauvreté, c'est un choix. La richesse aussi, c'est un choix. Tout est choix. Il dit, je ne crois pas en ça. Montre-moi où est-ce que Paul était riche, parce que Paul est ton modèle, notre modèle. Il dit, ah bon, comment Paul est ton modèle? Toi, tu as connu Paul. Oh non, Frère Branham dit que Paul est mon modèle. Il dit, qui est ton pasteur? Oh, mon pasteur, c'est le vieux Baruch. Il dit, oh, mais ça c'est mon modèle, parce que j'aime aller chez lui, parce qu'il a une belle maison, il y a des voitures qui sont garées, il a même un projet d'acheter un jet privé. Comment tu ne peux pas voir Dieu dans ton pasteur qui te prêche le mercredi, le vendredi et le dimanche? C'est un homme que Dieu a vraiment béni, à honorer. Lui, tu ne fais pas de lui modèle et tu veux faire d'un modèle quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as un problème sérieux. Donc, vous voyez, c'est ça ce que l'Église a fait. Donc, nous vivons dans des rêveries. En fait, nous sommes sous opium. Donc, comment tu expliques ça? Quelqu'un ne voit pas le pasteur qui est prospère. Mais il préfère croupir dans la misère et prendre pour modèle Paul. Il dit, pourquoi son pasteur n'a pas pris pour modèle Paul? Donc, voyez-vous que ça a été un conditionnement. Et c'est l'Église qui a fait ça. Oui, vous prêchez dans vos sermons, vous avez dit que les gens devraient savoir saisir les opportunités. Mais dans un pays où il y a des difficultés financières comme celui-ci, comment saisir les opportunités? Bon, le problème, c'est ce que je dis, il y a tout un cheminement pour aller. Quand la pensée est transformée, okay, il y a un certain nombre de lois. Voilà pourquoi il faut seulement changer la formation de l'intérieur. Comme dit Frère Branham et aussi d'autres auteurs, qu'il y a un ingénieur d'en bas et un ingénieur d'en haut. Lorsqu'ils se synchronisent, c'est-à-dire quand vous arriverez à synchroniser okay, le subconscient avec votre conscience, voilà, vous attirerez les bonnes personnes, les bonnes relations et même les opportunités, parce que vous êtes des dieux. C'est ce que la Bible dit, que j'ai dit que vous êtes des dieux. Et en tant que Dieu, nous avons le pouvoir de créer. Et toute création commence par les cieux. Les cieux, ce sont des atmosphères. Donc, lorsque vous arriverez à créer l'atmosphère d'un homme heureux, l'atmosphère d'un homme riche, l'atmosphère d'un homme prospère, l'atmosphère d'un homme guéri, l'atmosphère d'un homme qui est joyeux, les bonnes choses vont venir d'elles-mêmes. Je suis en train de vous dire chaque jour, malgré la disette, malgré les difficultés, il y a des gens qui s'enrichissent. Vous vous rendez compte que les sociétés comme Amazon se sont enrichies de plus belle pendant la période le Covid.
comment les téléphones, les iPads ont été plus vendus pendant la période de Covid. Pendant que les autres s'appauvrissaient, c'est pendant ce temps que les autres s'enrichissaient. Les sociétés pharmaceutiques se sont enrichies. Les gens, les ventes de masques se sont enrichies. OK? C'est pendant cette période-là que l'informatique a pris avec l'intelligence artificielle et puis la notion de télétravail s'est développée. Donc, voyez-vous qu'il y a toujours des opportunités, c'est à nous de les attirer. Mais dans la mesure où nous avons été programmés que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, à quoi bon? Comment ça va venir? Rien ne viendra à vous que vous n'aimez. C'est la raison pour laquelle la seule différence entre le pauvre et le riche, le riche aime la richesse, le pauvre aime aussi la richesse, mais la différence c'est que le riche assume cela et il confesse cela. Il le dit parce que c'est en confessant cela que les choses voulues viennent à nous. Mais le pauvre, il fait l'hypocrisie. Ils aiment l'argent, mais ne veulent pas en parler. Et ils sont plus dans les églises. Tu peux enseigner les campagnes de guérison. Ils sont d'accord. Les campagnes de salut sont d'accord. Mais l'enseignement sur la richesse, ils ne veulent pas. C'est comme s'ils n'aiment pas l'argent, alors qu'à la fin du culte, la corbeille d'offrande va passer. Et non, le culte n'est pas complet tant qu'il n'y a pas l'offrande. Dites-moi, il y a quel rapport entre les pièces qu'on met là et l'adoration à Dieu? Vous voyez, à un moment donné, si ce n'était pas aussi important, les pasteurs allaient distribuer les dîmes et les offrandes à toute la communauté. Donc, à un moment donné, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation. Et pour que ça marche, il faut que les consciences soient endormies. Ce dont je suis en train de parler, de l'hypnose programmée, l'hypnose continue pour mettre le peuple, les masses, dans des hallucinations. C'est une forme de sorcellerie religieuse parce que la sorcellerie, vous savez, nous ici au pôle, on a vécu l'histoire de Hermacana. Donc un avion qui se retrouve, bon, c'est juste qu'aujourd'hui on se pose la question si c'est une histoire vraie, mais ça peut être vrai. Donc comment nous avons cette science-là? Et il y a même des pilotes, parfois c'est des inserts. Mais développer ça pour que nous puissions nous développer comme Addis Abeba. Parce que vous parlez des relations comme étant aussi un facteur de sortie de crise ou de sortie d'une sécheresse. Mais la première bénédiction, c'est les relations, ce sont des hommes. Ce sont des hommes parce que la Bible parle que d'un homme qu'on avait soulevé pour l'amener chez Jésus. Et comme on ne pouvait pas rentrer, ces choses-là ont fait passer par le haut de la toiture. Donc lui, il ne pouvait pas arriver là-bas. C'est qu'il y a des gens qui l'ont pris de là dans son état d'invalidité pour l'amener vers la source de la guérison qui était le Seigneur. Donc, il ne faut pas plaguer avec le côté relationnel. Et je pense que la première des bénédictions que Dieu te donne, ce sont des hommes. Ce sont des hommes que Dieu met à tes côtés. Dieu, c'est le Dieu des rencontres. Tu croiseras quelqu'un. Tu connaîtras quelqu'un, quelqu'un connaîtra quelqu'un. Donc, c'est ça les opportunités. Et ça, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et lorsque nous rentrons dans cette thématique sur la relation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui seront développées. Parce que tu seras béni au travers de quelqu'un. Tu seras élevé au travers de quelqu'un. Les frères de Joseph ont été élevés à travers leur frère Joseph. Donc, Dieu peut placer sur ton chemin quelqu'un. Vous considérez Salomon comme étant un modèle de bénédiction. Est-ce que il n'y a pas un distinguo entre le passé et le présent? Je parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Non, parce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas vu les hommes comme Salomon. Ben, dans l'Ancien Testament, oui. Non, mais on ne fouille pas. Non, le problème, c'est que nous avons une mauvaise lecture des Saintes Écritures. Il faut voir le contexte dans lequel le Seigneur est envoyé. Il est envoyé au peuple d'Israël, déjà servi, Israël vivait la période de la gouvernance des nations sur Israël, la domination. Donc, ils avaient déjà quitté la théocratie. Ça passait sous la théocratie davidique et avec Salomon qu'il y a eu réunion lorsqu'il avait été au cœur de la nation. C'est là où il y a eu prospérité. Quand le Seigneur est au cœur d'un peuple, il y a prospérité. Quand le Seigneur est au cœur d'une vie, il y a prospérité. Et quel rapport avec notre nation ou notre condition de vie? Bon, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer nos nations avec Israël. Voyez-vous, quand Israël a péché, il y a eu des sentences. C'est la raison pour laquelle ils ont été assujettis par des nations étrangères, comme l'Afrique est assujettie jusqu'aujourd'hui par les Occidentaux. Donc, le message du Seigneur
a été adressé à un peuple qui était sous l'assujettissement. D'ailleurs, il faudrait qu'on redéfinisse d'abord le paradigme messianique. Le pourquoi le Messie a été promis. Parce que pour commencer, ce n'était pas un Messie mondial. C'est un Messie promis à la maison de David pour venir rehausser effectivement Israël dans une saison de rayonnement comme autrefois. Voilà qu'on parle, le Messie sera le fils de David. Et cette théologie messianique a pris son essor à partir de des déportations. C'est là où ils croyaient, les prophètes prophétisaient que nous allons repartir dans notre pays et le temple sera rebâti. Alors un homme sera oint qui rebâtira le temple. Il sera tantôt appelé le germe, il sera ceci, ça sera le Messie. Donc voyez-vous que c'est la douleur, c'est la pression qui a amené des prophètes à annoncer une saison de gloire qui sera chapeautée par le Messie. Voilà d'où est venue d'abord la pensée messianique. Voilà pourquoi quand Christ vient, il vient pour dire effectivement « je suis oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres » parce que les gens étaient pauvres. Pourquoi il a été protégé? Parce qu'il y a eu séparation de la synagogue. C'est les sacrificateurs et les pharisiens qui ne voulaient pas écouter ce discours-là. Mais le bas du peuple, ça les intéressait parce que oh, mais s'il est venu pour apporter la solution aux pauvres, alors laissons-le, écoutez-le. Voilà pourquoi on le suivait. Effectivement, tantôt, il multipliait les pains. Mais tantôt, il avait la capacité de dire, va pêcher là-bas, il y a un poisson qui est là-bas. Donc, il savait que le poisson pouvait résoudre les problèmes pécuniaires. Pasteur, c'est la dernière question. Est-ce que l'argent sale existe? Je serai plus clair. Aujourd'hui, dans nos nations, on a peur de recevoir un don de quelqu'un qui a une autre fonction. On dit qu'il est peut-être franc-maçon et recevoir un don d'argent ou même accepter d'être employé par lui. Est-ce que l'argent sale existe? Mais que les chrétiens créent d'abord leurs industries à eux, ils créent d'abord leur ENI à eux, leur Total à eux, leur chevron à eux, on va les voir. Hein, jusqu'à présent, il y a une partie des Écritures que nous lisons, mais nous ne pouvons pas les vivre, dire que nous sommes la tête et non la queue. Mais ceux qui sont la tête là, ce sont des incirconcis. C'est-à-dire les gens qui ne prient pas. C'est eux qui vous payent. Le système, l'argent, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont fabriqué. Donc l'argent, c'est Apocalypse 13, c'est même l'indice même de la bête. Okay? Maintenant, c'est un problème de discernement, c'est un problème de positionnement. Par exemple, Dieu a dit, Cyrus, ce n'est pas un roi d'Israël, mais Dieu a dit que c'est mon oint. Il est oint parce qu'il devait donner des ordres pour prendre les trésors, les ramener, donner aux Israélites afin que le temple soit reconstruit. Parce qu'il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dans Agé 2, je remuerai cieux et la terre, la mer et le sec, les nations, les richesses des nations viendront. Et dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc, les richesses qui ont été utilisées pour la reconstruction du second temple, ce n'est pas les richesses des enfants d'Israël, c'était les richesses des païens. Ok? Bon, dans le Nouveau Testament, le centenier romain, c'était un bâtisseur de synagogues. Et donc, la guérison de son serviteur était une compensation des actes. Et dû à l'intercession même des Juifs, il dit que c'est un homme bien, il nous aide et il a construit des synagogues. La Bible dit dans Actes, je crois, 9, que Corneille craignait l'Éternel, il faisait des aumônes. Et la Bible dit qu'un ange est venu, dit que tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Et Dieu a envoyé un message à Pierre d'aller chez Corneille, alors que selon la loi juive, Pierre ne pouvait pas rentrer dans une maison d'un homme incirconcis. Donc, il faut faire très, très attention. Vous ne savez pas quelle est l'alliance que le Seigneur a avec les gens. Dans Matthieu 25, il est dit que même un simple verre d'eau que vous donnerez à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'aurez donné. Donc, cela dépend de la vision ou du paradigme de ce que quelqu'un appelle l'argent sale. Voyez-vous que... Mais sinon, à quel moment l'argent sale commence? À quel moment l'argent devient propre et tout ça? Pasteur, ça a encore été un plaisir de nous recevoir. Nous sommes à la fin de cette émission.
Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir aussi à très bientôt.